Salut tout le monde, c'est Kilam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Transport Fever pour l'épisode numéro 14 de Projet RER. Donc la semaine dernière, on s'était retrouvé avec le début de cette zone industrielle à Val-de-l'Allier. Aussi le dépôt de bus et un petit centre commercial à côté de la gare. Et donc aujourd'hui on va se tourner du coup vers la zone industrielle, on va la terminer, aussi attaquer la bordure des voies, donc avec des végétations, placer des bâtiments en haut pour faire réaliste bien sûr. Et du coup dans le deuxième timelapse on s'occupera du tram-train du coup, où on continuera la déco tout au long de la voie du tram-train. Donc voilà, je crois que c'est bon pour le récap, donc je vous laisse avec le timelapse, c'est parti.
Donc on se retrouve après le premier timelapse où donc on s'est occupé de la zone industrielle de Val de l'Ali. Surtout cette usine là hein, que j'ai bien détaillée, sinon le reste c'est vrai que je l'ai un peu délaissé, par exemple si j'ai pas touché. Là j'ai rajouté une petite usine abandonnée, ou ce qui est du moins ce qui ressemble. Et là j'ai vite fait fait un, comment on appelle ça, un entrepôt, voilà. Bon c'est pas très détaillé mais bon c'est pas très grave hein. Et du coup je me suis aussi occupé de la végétation autour des voies et ça rend vraiment bien hein. On va pas se mentir, vraiment la végétation c'est vraiment super quoi, ça rend toujours super bien. T'en mettre trop comme moi ou ne serait-ce qu'un peu, ça rend toujours bien de la végétation. Donc surtout là avec les petits fils aériens, ça rend vraiment super bien. J'ai aussi rajouté du trafic de voitures, donc en plaçant des générateurs. Bon, j'ai un peu galéré ici, on peut voir que ça bouchonne beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que CRP, ça bouchonne. Mais du coup, ça rend l'autoroute animée. Donc, c'est vraiment super ça. J'ai aussi fait du coup un peu là les voies au bord de l'autoroute justement. J'ai placé des murs, je sais pas trop quoi en penser. On va dire que ça va, écoutez. Hein. Et du coup j'ai aussi placé quelques bâtiments comme ça. Ça fait pas, on n'a pas l'impression qu'il y a rien en haut de la colline. Mais du coup sinon là oui j'ai aussi placé des tours ici. Hein. Sinon je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai aussi fait un truc ici. Je me disais, ça faisait un peu vite pas avoir de bâtiment ici. Du coup, j'en ai mis. Bon. C'est pas le truc le plus incroyable, mais bon, ça fait l'affaire. Hein. Et donc, ici, il y aura des arbres. C'est ça que je cherchais. Voilà, ici, il y aura des arbres. Hein. Un peu comme là, ce que j'ai pu faire. Ce qui rend vraiment bien, d'ailleurs. Mais bon, pour le second timelapse, du coup, je l'ai dit, on va s'occuper du tram-train, enfin. On va décorer autour, du coup, des voies. D'ailleurs, je l'avais pas dit, mais quand je m'étais occupé du quartier des Rosiers, du coup, j'avais mis une ligne de bus. Du coup, elle tourne, hein. Je l'avais nommée comment, la ligne de bus? C'est 127. Bon, bah, c'est la ligne 127, écoutez. Et d'ailleurs ici, je l'ai pas dit, mais c'est la mairie de Cholery. Hein. Enfin, Cholery-sous-Bois. D'ailleurs, faudrait que je change cette station, parce que je vais avoir deux German Station partout. Comme ça, si jamais il y a un petit tram-train français qui sort, comme les quais sont bas, ça me permettra de changer, parce que là, c'est des quais hauts. Enfin bref. C'est parti pour le timelapse.
Bon, on se retrouve après le deuxième timelapse, du coup, où on s'est occupé des alentours des voies du tram-train. J'ai pas vraiment beaucoup avancé aujourd'hui. Bon, j'ai du mal à être productif pour le deuxième timelapse. Mais bon, c'est pas grave, hein. Du coup, on s'est occupé du coup des abords des voies, je l'ai dit, de la mairie aussi. Sinon, j'ai placé beaucoup de trafic aïe, donc bus, voiture et tram-train. Donc bon, je vous laisse avec les petits cabrides que j'ai fait. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Kilam, à plus.